Dimitri Payet. Müller sur son pied gauche qui essaye d'enchaîner. Oh, il est beau. Payet avec Gerson. La frappe de Gerson. Qui va redonner celui-ci. Magnifique. Et bien on a notre cadeau de Noël. C'est une combinaison Müller pour Payet. Le pied gauche de Gerson dans la surface. C'est fini, c'est fou, c'est incroyable. C'est un match folle. Et le Vélodrome, côté sud de Marseille, est directement qualifié en Ligue des Champions. Quelle folie, quelle douce et incroyable folie. Depuis que Saint-Paul est arrivé, on a commencé à projeter l'équipe de cette saison. L'objectif, c'est toujours de donner au coach l'effectif le plus vite possible. Je suis ici pour faire de très grandes choses avec l'équipe. Bien évidemment, faire comme j'ai toujours fait, mouiller le maillot et encore plus à l'Olympique de Marseille. Thank you.
de les voir à l'œuvre, tous ces joueurs marseillais. Une nouvelle ère s'écrit à la Mosson, Montpellier-Marseille, premier match de la saison 2021-2022. L'explosivité de la pointe. Seuls les Niçois sont sur le terrain. Dans ce cas-là, l'arbitre décide de siffler la fin de la partie. Bon ballon encore une fois de Dimitri Payet qui a lancé under. Sont un petit peu en retard les Stéphanois et au deuxième poteau de la pointe. Et l'excellent retour, c'est pas fini. Guendouzi ! Matteo ! Guendouzi qui donne l'avantage à l'Olympique de Marseille sur une transition. Rongier, Gerson. Saint-Etienne, les récupérations d'Under sur son pied gauche qui essaye d'enchaîner. Oh, qu'il est beau! Dieu, qu'il est beau! Le but de Kenji Sunder, l'enroulé. Stéphane Madjeg, il va plus vite. Cette fois-ci, c'est la bonne pour Madjeg. La cinquième est la bonne pour l'attaquant marseillais. Il a trouvé Dieng. Oh, quel but devant Dieng. Le bordement de Lirola, le centre de Lirola, il est bon ce centre. Et voilà Dieng qui marque. Peut-être jusqu'au bout, tout seul. Oui, tout seul à Minarit. Guendouzi, eh oui, Matteo Guendouzi,
c'est Guendouzi. Le déplacement de Minari. Allez, que c'est bien joué Guendouzi. Quel mouvement les Marseillais. Mange-le. Ah, il est passé. Le retrait. Au pénalty. Obligé. Et oui, évidemment, c'est pénalty pour l'OM. Superbe. Allez, Hunter, voilà. C'est parti. Bien joué, petit tout. Ça se passe bien. Tout va bien pour l'OM et ça sent bon. Ouais, comme c'est mérité. Ouais, c'est fort. Il est arrivé. Non. C'est pas possible. C'est pas vrai. Ce ballon repris et en infériorité numérique vient gâcher la soirée marseillaise. Comme elle vient. Oh là, les Marseillais payent cher pour apprendre. Hein. Pour Hunter qui rentre dans la surface, qui lève la tête, qui a vu au deuxième poteau, même pas direct, trop court. Énorme occasion pour le Sénégalais. Irola avec Payet, Payet avec Milik, Arkadiusz. Et la frappe, elle est très près du poteau. Cette frappe du Polonais Milik. Un mouvement remarquablement construit par l'Olympique de Marseille. Ah ouais. Attention, ce ballon perdu. Ballon perdu pour Thierry Immobile. Et lui, il n'en faut qu'une. Une seule pour marquer. Et le voilà, le capitaine de la Lazio qui donne l'avantage aux Romains au début de cette seconde période. Fégouli, magnifique Fégouli. Aïe, but de Galatasaray après seulement 12 minutes. Allez, c'est pas fini. Ils sont maudits. L'OM continue son aventure en Coupe d'Europe, ce sera la Conference League. C'est bien fait, Bombadieng. Il faut la donner. Allez, Luis Enrique, pourtant premier en Ligue 1. Allez, Luis. Oh, c'est pas possible. Luis Enrique qui a négocié son 1-1. Quelle opportunité marseillaise. Il y a David et voilà le doublé pour Jonathan David. 2-0, Lille va s'imposer face à l'Olympique de Marseille. Marseille mène 2-1. Payet encore sur le coup.
conserver le ballon. Gerson, bien fait. Milik qui laisse pour Payet. Payet qui va pouvoir enchaîner, que c'est beau. Un centre super, une feinte magnifique et une conclusion parfaite. L'OM qui revient. Tchengiz, il y a de l'espace. Tchengiz, Tchengiz sur pied gauche. Tchengiz à voir. A été d'arrêter la rencontre pour des raisons sportives évidentes. Hors-jeu ou pas de hors-jeu? Ça joue, ça joue pour Paul Lirola. Il doit y aller et il y va, et il y va, et il en fait quoi? Il marque, pas de drapeau levé. Payet avec Gerson, la frappe de Gerson. Le 1-2, Gerson Gerson est en plein cours. Pour le Brésilien qui n'aura pas touché beaucoup aujourd'hui, qui va redonner celui-ci. Oh là 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 là, magnifique. Et bien on a notre cadeau de Noël à la maison. Il est signé Bomber. Dieng l'envolé, magnifique dans le ciel de Strasbourg. Oximo. Pour Matteo Guendouzi, Guendouzi qui pousse le ballon, qui prolonge vers Milik, le triplé pour l'attaquant polonais de l'Olympique de Marseille. Balle d'un partout pour l'Olympique de Marseille, c'est un contre-pied, le Vélodrome, sauvé par Payet. Le Père Noël s'appelle Dimitri Payet à Marseille. Il est un peu vers l'avant, il vient le chercher, en prise. Sublime. Arkadiusz Milik, déjà son quatrième but cette saison en Coupe de France, c'est lui. Le ballon mal dégagé par Costil, récupéré par Hunder. L'appel de Payet pour ouvrir. Hunder, l'erreur qui se paye cash. Hunder, lui, réussit tout ce qu'il a voulu. Au final, frappe croisée, but marqué 1-0 pour l'OM. Venir s'imposer puisque ça y est, c'est fait pour l'Olympique de Marseille. Enfin un succès à l'OM. Il n'empêche que l'OM, ça y est, gagne à Bordeaux. Ça faisait 16 169 jours que ça n'était pas arrivé.
trouver rapidement. Under. Mais on croyait qu'il était gauché. On croyait que c'était du mettre à droite. Et ben non, c'est l'homme de la situation. Et l'entrée de Cédric Bakambou qui revient dans le championnat de France. Guendouzi, encore Bakambou dans la surface. Oh, il ne lui a suffi que deux ballons à Cédric Bakambou pour frapper fort et marquer son retour dans le championnat de France. L'OM mène 2-0. Payet face à Berthaud. C'est fait, Marseille est en quart de finale de la Coupe de France. Dimitri Payet est devant cet immense tifo. C'est lui qui a régné encore. Va chercher Gouaï dans la profondeur, Gouaï dans la surface, Gouaï toujours, l'égalisation d'histoire. Le centre de la Chloé Verte, et le but d'histoire, le deuxième but des Aiglons. Il tente sa chance. Oh, quel but exceptionnel! Belle fois centré, va le deuxième poteau, la reprise et le but d'Andy Delors pour le 4-12 ans. Il a vu le déplacement magistral d'Arkadiusz Milik. Le triplé, c'est une véritable résurrection. La tête de Doumbia, la reprise. Oh, le sultan. We'll be right back.
Payet pour le corner. Ça traîne et cette fois c'est dedans. Le cinquième corner aura été le bon pour Bakayogol. C'est un but important, c'est surtout un but exceptionnel, le talent, la classe. Après, il y avait tout seul qui est dans la surface. Et le deuxième. Encore une fois, c'est Milik qui fait vibrer le Vélodrome. Côté doublement avec Bagramov. Le centre. Oh, c'est coupé. Il a mis la main. Au premier poteau par Wadji. Il a mis la main. Et ça fait un but partout. Entre le FK Karabakh et l'Olympique de Marseille, tous les joueurs. Steve Mandanda est fou furieux. Ouais, mais il n'y a pas la barre. Pour lui, il y a une faute de main de Wadji au premier poteau. Matteo Guendouzi qui essaye de dire à Wadji. Ah, il revient, non? Il revient, il signale main. Faute de main. Et je pense que c'est Wadji. C'est Wadji parce qu'on l'a dirigé vers lui. Exactement. Il est venu lui dire qu'il avait touché ce ballon de la main. Avec son entraîneur. Le but est annulé. Eh ben, tant mieux pour le football. Et tout seul, Bayo, la frappe. Pour quel but? Le centre fort, il y a tout ce gars et c'est l'égalisation pour Kevin Volland, de Poto et Jelson Martins. Bien fait Gerson en une touche avec Rongier. Elle frappe. Vers Milik, il a hésité. Ah, c'est vraiment. Et dans un second tour, Arkadiusz Milik qui vient s'offrir un doublé. Avant qu'on envoie de cette partie dans le jeu, le ballon pour Gerson. Ouais. Gerson, oui, comme on va chaler. Oui, encore dans la surface de réparation. Pour les Marseillais, attention. Marseille va repasser devant, Marseille repasse devant, ça fait 4 buts à 1, l'Olympique de Marseille, le deuxième recevra Nice, le troisième dimanche prochain. Gerson, il a réussi à centrer. Hutter, il est tout seul. C'est qui ce Hutter? Allez, Guendouzi avec Rongier. Valentin Rongier. Il venait de quitter sa position derrière droit. Payet, Under, le pied gauche, Under, il s'écoule dans la surface de réparation, le briseur siffle, le pénalty. Pénalty pour l'Olympique de Marseille. Qui est frappé, c'est un contre-pied. L'Olympique de Marseille passe devant, mène 1-0. Avec Gerson, Bakambu est dans la surface de réparation. Le centre de Gerson vers Bakambu. La tête de Bakambu. Bakayogol.
buts à 1 contre Nice. Il y a Gerson, le petit ballon de Gerson dans la surface. Oh, il y a pénalty. Oui, Gerson qui est allé le chercher, ce pénalty. Alors, Payet qui va le laisser à Bamba Dieng. Ça, c'est un geste fort, très fort de la part du capitaine marseillais. Deuxième tentative pour Bamba Dieng. Les buts, il l'a pas trouvé. Check, Bamba Dieng. Allez Cédric, avec Gattuzzi, le petit ballon, allez Amin, waouh, le quatrième but d'Amin, arrive le festival Oh, il est pas en quel jeu. Passe laser de Payet, oui, pour Gerson, l'enchaînement technique, pied gauche. C'est une combinaison Under pour Payet. Oh, extraordinaire. Dimitri Payet refait les Marseillais. Fou de bonheur, fou de génie, ça fait 2-0, un but mémorable. Cambou a donné la Guendouzi, oui, Dimitri Payet qui marque, Captain Payet. Verratti, ce petit ballon pour Neymar. Oh, il est passé devant pour Lopez. Et ça fait 1-0. Allez, Payet au premier poteau. Oh, c'est pas fini. Il faut la mettre au fond. Et Douillet Djalit-Tazar qui vient égaliser. L'OM est relancé dans ce classico. Un partout. Face à Lopez, oh, il était parti du bon côté. C'est parti au second poteau. William Saliba. Et le hors-jeu.
Le petit décalage pour Gerson dans la surface de réparation. Gerson le crochet, c'est magnifique. Et double asile, double asile, Gerson. Oh, ce but, qu'il est capital, qu'il est capital pour la deuxième place. Mais quel festival de Monsieur Gerson, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. C'est parti, soir de demi-finale européenne pour l'Olympique de Marseille. Il est pas en jeu. Sinisterra est retrouvé. Talon au professeur. Et Dessers qui marque après 17 minutes de jeu. On promettait un premier quart d'heure de folie. La promesse est tenue. La passe pour Sinisterra. Elle est dédiée. 2-0 pour Sinisterra. Bien qu'il a pu donner à Bakambu. La voilà le bout qui fait du bien, la voilà la réaction marseillaise. Le centre de Guendouzi, Bakambu est en proximité. Oh, égalisation, une première période complètement folle. Les Marseillais donnent le coup d'envoi avec une passe trop courte de Caleta. Et ça commence par une nouvelle catastrophe. Ce Feyenoord est infernal. Mais ce nouvel avantage lui a été octroyé par un véritable cadeau. 3-2. Bon, Gerson, faut bien centrer. Et Dembélé, est-ce qu'il y a une main sur le ralenti, il y a main. Ça, on l'a tous vu. C'est parti direct, c'est contré, Dembélé, Paulo Lopez. Et Lyon qui ouvre le score, c'est Loukeba. Terminé, Feyenoord se qualifie, fin de parcours pour l'OM qui s'arrête en demi-finale de la compétition. Il y a une faute de William Saliba qui va prendre un carton.
moi je suis inquiet dans le sens où l'OM a montré tellement de faiblesses à domicile depuis le début de la saison et notamment une inefficacité offensive. Je me dis pourquoi on retrouverait ça sur la dernière journée. C'est bouillant ce soir à Marseille et c'est là-dessus, c'est dans cette ambiance surchauffée des 65 000 Marseillais qui poussent déjà que l'OM. Et la relance, elle est difficile, elle est ratée, elle s'est finie au fondant. Quel miracle pour les Strasbourgeois, c'est pas terminé si. Nathan Klose, le centre de Klose, nouvelle relâche, Frankowski, cette fois ça fonctionnera. Pas de tir cadré d'abord, c'était un centre lâché par Lubel. La clameur dans le stade Vélodrome parce que Lens a marqué face à Monaco. Momentanément, l'Olympique de Marseille à la deuxième place du classement avec ce match nul. Il reste encore beaucoup de temps, mais ouais. Lorsque vous entendez rugir le stade Vélodrome, c'est aussi qu'il se passe quelque chose. Ensuite pour Gerson. Le pied gauche de Gerson dans la surface. Pour le frapper, pour bien le frapper, la reprise en deux temps. Le centre de Folland, Wissam Ben Yedder, la tête de Wissam Ben Yedder, pas de position de hors-jeu, 3 buts à 2, ce but, il suffira peut-être dans la course à la deuxième place pour l'ASM. Il peut pousser sur ses jambes et faire parler sa vitesse, le Marseillais, le ballon, magnifique, c'est super. Attardé Gerson et qui peut peut-être encore donner un but d'avance en plus à l'Olympique de Marseille. Cette fois ça y est, ils ont compris, les Marseillais, cette fois ça y est. Parce que l'année dernière ils nous ont privés de l'Europe, donc j'espère que cette saison c'est nous, on va les priver d'Europe. Et puis Jonathan Klose pour frapper vers la reprise et le but, et le but qui va envoyer l'Olympique de Marseille en Champions, qui va priver la S-Monaco.